Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. Yon l'autre fois encore dans une nouvelle sortie émission Mon Éditorial. J'aime déjà annoncer nos mes amis, santé a pas fin bon. Grippe, fièvre, gorge fait mal. N'a pas jan ou même n'a toléré jan ou même parce que faut travailler en fait, faut qu'on vienne former nous, faut qu'on vienne former nous. De ça va passer sous scène politique là et précisément dans ça qui gain pour avec assassinat ancien président Jovenel Moïse. 5h du matin, article New York Times, il sortit tant qu'on bombardé dans le pays. Mercenaires colombiens, ils ont pas fini de faire l'autre bagaille que viennent chercher un liste narcotrafiquant, les capons d'armes, les qui n'ont cocaïne, capons drogue hors de dans le pays. Jovenel Moïse tape travail pour faire dire Mario. Eh bien, le clan Martelly ouvertement fait partie de dossier ça. Nous prenons le garder en long et en large. C'est vrai déjà dans plusieurs émissions. M'vini m'parler nous sous différentes circonstances qui entourent l'homme Jovenel Moïse, qui entourent l'assassinat président Jovenel Moïse. Mais je veux dire là, nous prenons le baser nous beaucoup plus sur ça qui est pour avec la famille, le clan PHTK. Et là, on a parlé de parrain. Gabriel Fortuné, avant le mourir, il était qu'on a parlé nous de parrain, le parrain qui a trahi Jovenel Moïse. Jovenel Moïse a été trahi par son parrain. Quand on a réalisé que parrain, ça a été parlé, hein, c'est le parrain à l'italienne, c'est la famille, le clan PHTK, la famille Martelly, qui, yo même, qui met, qui doit, qui bras, qui trempé jusqu'au zoo dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Mais restez là, tout détail. Article en pral gagne le bout par bout, pièce par pièce, pour qu'on ne s'en passe pas en dehors du pays. Nous pral parler pays, nous pral faire débat, c'est toujours même Yannick Lan, même voix. On y est, pas changé. Bien de nouveau sous le soleil. Pas rien, New York Times, pral vin raconter nous là, pral vin expliquer nous là, que à travers différentes émissions qui fait déjà, nous pas analyser, nous pas présenter, nous pas te comprendre. Ce qui est sûr, c'est que une fois de plus, on pral réaliser que plan PHTK, on pral réaliser que clan Martelly, on pral réaliser que les amis, les alliés du PHTK, nèg sa yo influent dedans pays. Nèg sa yo gen des messages a fait passer à nèg tête green qui semblait avant, qui semblait avant. Que yo pas jamais accepter dans clan mulat, que yo pas jamais accepter dans clan et nèg en haut que Jovenel Moïse il finit par piéger, Jovenel Moïse il finit par tuer pour ça. Qui ça qui sorti dans l'article New York Times? Eh bien, quelques mois, 7 mois avant l'assassinat président Jovenel Moïse, Jovenel Moïse te prend initiative pour aider Diye, pour aider le gouvernement américain à combattre le trafic de drogue, combattre le trafic d'armes en dedans pays. Et c'est ça que fait. Il y a un ensemble de décisions que tu prends, que ce soit pour le faire remaniement dans ce qui est pour avec douane, que ce soit pour le faire remaniement dans ce qui est pour avec ministère de l'Intérieur, pour le faire différents remaniements dans ce qui est pour avec sécurité, et puis il y a finalement piégé Jovenel Moïse tout au long de ces derniers mois, jusqu'à ce qu'il arrive à aboutir avec l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous prenons le bagaille clan par clan, groupe par groupe, famille par famille. Premier bagaille, c'est qui s'allie, je dis. L'opra, le clan PHTK. Clan PHTK, Martelly dans tête lui. Martelly, disons le baron du PHTK, le parrain même, de sa consistance. Ou prenons le clan PHTK, ça a Martelly, gen Sofia, gen Kiko Saint-Rémy Martelly, qui lui-même, je dis, c'est l'homme le plus influent. L'idée est un homme qui était extrêmement influent dans le gouvernement Jovenel Moïse. En ce qui est tellement baïkosé, nous sommes tellement baïkosé, qu'on n'y a pas vu dire que, ou pas vu dire qu'on peut apprendre aujourd'hui, c'est clan PHTK qui est pour en long et en large, avec différents exiles qui participaient dans la sécurité Jovenel Moïse, ou pas vu dire qu'on ne connaît que Dimitri Erard, son héritage, clan PHTK, son héritage que Martelly t'a quitté pour Jovenel Moïse en termes de sécurité, c'est même Nexaro qui finit par trahir Jovenel Moïse. Nous bralons ces bagailles étape par étape avant. Dans les mois précédant son meurtre, Jovenel Moïse avait entrepris de lutter contre les trafiquants d'hommes et de drogue. Ça veut dire ça? Ça veut dire quelques mois avant Jovenel Moïse, il était assassiné,
Il a commencé à prendre l'initiative pour la bataille contre les caves d'âme, contre les caves de drogue, qui a fait trafic de drogue dans le pays. Ensuite, on a allé étape par étape pour dire que Jovenel Moïse était monté en liste qui gagne la donne des hommes politiques, politiciens qui influent, des hommes d'affaires. Et Jovenel Moïse était allé plus loin pour dire que dans la liste qui a monté, même nègre qui était plus proche, qui était plus près, même nègre qui te permet de monter sous pouvoir, qui te aide, qui te bat le pouvoir dans la main, qui te porte le pouvoir sur son plateau, pas épargné quiconque. Et c'est là qu'on va comprendre que le clan PHTK n'a pas jamais toléré. Mateli n'a pas jamais toléré Jovenel Moïse. Parce que vous estimez, le Jovenel Moïse, premièrement, l'autre fin prend juge, la mère Belizea, qui te fin langue sur son la familia, ou de l'été, ou te fin jouen, même club PHTK, ou te fin jouen les Mateli, qui consere, mine exaro, qui a les République Dominicaine, elle fait fête avec qui et sur son la familia. Et pour pral vin jouen, bon juge de la République qui décide de mettre en mandat d'amener des sur son la familia, ou pral jouen autorité dominicaine yo. Qui arrête, qui marre pour crabe sur la famille, qui voye en Haïti, alors que la veille, qui côté yote, yote non fait, yote a bien viré, fait photo avec Mandeli, fait photo avec qui côté Rémi, et puis, le nouvel sa vignan de le pays, le Jovenel Moïse apprend nouvelle dans selon New York Times. C'est réjouissant, c'est fait Jovenel Moïse, c'est fait parce que Jovenel Moïse connaît, lui-même, lui, bon responsabilité vis-à-vis population haïtienne, non, qui se combat. Combat question. Insécurité, en combat de question, influence n'est pas au gain sous lui. Et, article, il faut comprendre que, à plusieurs reprises, Mateli rele Jovenel, qui concerne Mire le Jovenel, Jovenel va prendre appel, Jovenel pas décroché téléphone pour le recevoir appel, n'est-ce pas, et n'est-ce pas furieux. Parce que qui s'accrive? Information New York Times, l'y rassemble pour le rédiger article, ça, y'a consulté. Les clans PHTK, ils ont consulté politiciens, ils ont consulté les gens qui sont impliqués dans le trafic stupéfiant, qui sont aujourd'hui en danger par rapport avec le Mandeli. Ils ont consulté des gens proches et collaborateurs Jovenel Moïse qui ont un centre de formation. Et, admettre ou pas admettre, il y a un centre de journalistes dans le pays qui déjà eux-mêmes, ils ont parlé sur bagaille ça. Donc, par exemple, le cas de Morvan, tout le temps, Morvan a parlé, la target, la tacle, monsieur Mateli, la tacle, et qui est dossier en guille, qui concerne lui qu'on a fait en le pays, la fait importation en guille, alors que son espèce qui protège, alors que nègre utilisé en guille, c'est pour faire blanchiment, nègre utilisé en guille, son façade liée, mais il y a des gens qui ne prennent pas au sérieux. Consacre qu'il y a des gens qui prennent Morvan au sérieux, parce que c'est un fait, c'est une réalité que le clan PHTK est influent, est puissant dans le pays, est susceptible aujourd'hui pour larguer le pays à côté de Noël, là, dans le Chougoum, là. Parce que ils participé en long et en large, ils ont planifié l'assassinat de Jovenel Moïse. On a continué. Le fait que ils ont fini de marier sur la famille, ils ont fini avec ici, pour sur la famille, tourner côté de la pénitentiaire nationale, là. Et que Jovenel Moïse lui pas levé le petit doigt pour le faire libérer ce sur la famille pour clan Mandeli. Parce que touchons moun qui fait partie de clan Mandeli, touchons moun dans entourage Mandeli pour moun sa yo, yo kwè nan loyauté, oui. Clan Mandeli en son groupe moun qui kwè nan loyauté. Le fait que Jovenel Moïse lui prend comportement ça, l'affiche comportement ça, montre que lui pas fait la guerre sur son famille à fois ça, fuck li juge, fuck li purge peine. Donc, moun sa yo gen t'a commencé marquer. Yo commencé marquer Jovenel Moïse pas. Et ça pour rien. Quand y a l'autre pour aller plus loin dans l'article ça, y a parlé de et Dimitri Ra comme héritage Mateli qui était pour Jovenel Moïse en termes de sécurité. C'est pour vous dire que Jovenel Moïse même ça qui gen pour avec sécurité, c'est Mateli qui t'a géré, c'est le clan Mateli qui t'a géré sécurité Jovenel Moïse. Donc, si le président n'a pas l'attitude pour le même contrôler la sécurité, n'a pas de mettre à faire que Jovenel Moïse n'a pas de contrôle en rien. Même la ville n'a pas de contrôle. Et à plusieurs reprises, Dimitri Ra en 2015, pour un dossier droit dans le pays, Dimitri Ra l'a impliqué là-dedans. En cargaison,
qui gagne drapeau panaméen sur lui, un bateau qui gagne drapeau panaméen, qui pote cocaïne, qui pote héroïne dans le pays, hein? Et puis qui s'accrivait, c'est Dimitri Erard, sur l'article, qui dépêchait un troupe policier avec elle, qui a déchargé bateau ça, qui mettait drogue, qui mettait cocaïne dans la machine officielle, qui transportait le dans le pays, elle mettait dans la réserve. Nous prenons comprendre un bagage. Question insécurité, question trafic de drogue dans le pays, question trafic d'armes dans le pays, le clan PHTK, il y a un pile bagaille pour le pays. Moun sa ou ta supposé gen cause pour raconter la justice et si n'te gen un système judiciaire qui t'a fait travail yo, faut que ta gon commissaire gouvernement, faut que ta gon juge d'instruction qui a pas enquêté sur moun sa yo pour traîner moun sa yo devant la justice pour venir répondre question. Parce que on paye pas qu'à temps qu'on savent comme ça pour n'accepter n'importe quoi nos nèg yo. Et jodi on pose cette question qui réel intérêt Matel te gen pour venir entrer dans politique parce que il a été aimé. Son monde que nan sa ki gen poue avec musique, nan sa ki gen poue avec artiste payan remel. Mais jodi alors gade Manteli sou scène politique lan, son poison violent, son entrave lié pour démocratie, hein, son entrave lié pour la bonne gouvernance, la bonne gestion, voire la stabilité du pays. Parce que tout ça ka tourne jodi là autour de stabilité politique, autour de sécurité en dedans pays, ou jouer le clan Manteli, ou jouer le clan PHTK d'elle, parce que c'est toujours eux-mêmes, c'est toujours eux-mêmes autant de qui impliqué dans ceci, c'est toujours eux-mêmes qui impliqué dans cela. Pour moi, tourner dans cause Dimitri Erard, là. Dimitri Erard lui-même, n'est-ce pas tellement coquin, nous allons comprendre. Le Dimitri Erard, premier bagage qui passe entre Dimitri Erard et président Jovenel Moïse, c'est le fait que Dimitri Erard, c'est Manteli qui bat Jovenel Linambe pour gérer sécurité. Et à cette époque, Dimitri Erard même vient prendre gratte parce que c'est lui-même qui t'a géré USGPN. On y a trouvé dans une situation côté que Dimitri Erard lui commandé 260 fusils M4 et puis fusil ça yo USGPN pas gain contrôle yo. Fusil ça yo secrétaire général palais national là pas gain contrôle yo. Fusil ça yo qui côté yo aller repérer fusil ça yo, c'est dans mes gangs, dans mes bandits, c'est dans mes nèg qui gen entreprise privée le dans pays parce que qui ça nèg yo fait, c'est fait trafic d'armes le dans pays. Yo commandé l'argent taxe moi, l'argent impôt, l'argent nous payer en tant que contribuable, l'argent nous acheter armes. L'argent nous acheter armes pour aller revendre au marché noir, pour aller vendre bandi, pour aller vendre gang pour terroriser nous encore. Ça c'est premier l'enrag modern Dimitri Erard et président Jovenel Moïse. Parce que le président Jovenel Moïse joue une formation ça, lui commence à mettre Dimitri Erard sous liste noire. Et puis qu'on y a qui ça peut arriver? Yo brala le plus loin pour rejoindre Dimitri Erard, c'est un formateur qui concerne Rémi Manteli. Frère Madame Manteli, beau frère Michel Manteli. Le clan Manteli. Nèg sa yo nan toute sauce. Yo empêche Jovenel Moïse pour te faire travail li. Et nous pral expliquer nous tout à l'heure. Quoi y a? Le entourage Jovenel Moïse joue une information que Dimitri Erard li a bail groupe Manteli, clan Manteli en information parce que qui ça Jovenel Moïse te fait à un certain moment. Jovenel Moïse peu à peu divine pour un recul par rapport avec clan Manteli. Parce que qui ça? Jovenel Moïse dit nous clair que nèg a manipulé, que nèg yo qui contrôle li. Yo pas voulu l'avancer. Donc Jovenel Moïse décidé comme nèg yo c'est l'argent yo besoin fait, c'est ça article rapporté très clairement. Nous connait réalité, nous connait comment nèg Manteli ça, comment clan Manteli ça est puissant, comment influent. Ou pral vin trouve dans une situation Jovenel Moïse li obligé lâcher prise. Li dou bon comme nèg yo l'argent yo besoin fait, bon quitter yo fait l'argent, au moins le ça m'arrive implanter petit projet courant m'gagne, petit projet route m'gagne. En nous clair. Jovenel Moïse pas capable jamais ca réaliser quoi que ce soit dans pays ça. Même le Jovenel Moïse a 10 ans devant. C'est 10 ans que Manteli en PHTK t'a bail Jovenel Moïse pour enrichir tête yo. Nous t'a toujours dans même misère. Nous t'a toujours dans même crasse parce que Jovenel Moïse avait les mains et les poings liés. Ni même ni pied te marié tant pour crabe. C'est pas ordre, c'est pas New York Times qui doit venir apprendre nous ça qui visible dans pays. Nous supposons admettre que Jovenel Moïse pas jamais qu'a faire rien avec Manteli. Et nous, pendant toute période de campagne
Mandela t'a fait avec Jovenel Moïse. Yo te prend Jovenel Moïse tant comme marionnette. Moi m'ai information m'a pli. Sous Esther. Esther dame ça lui-même qui salté, c'est dame qui t'a géré, c'était conseiller en image Jovenel Moïse, c'est lui-même qui t'a fait port pour yo avec Jovenel Moïse pendant toute campagne. Le li décidé pour que Clamantelli en prend recul pour quitter Jovenel Moïse. Prend campagne pour col, fait campagne pour col, pour l'adresser avec le public, là, avec nous. Madame Ateli voyait bien, Sophia voyait bien. Et Sophia, toute histoire que nous avons sur Sophia, Sophia est un monde qui est autoritaire, qui influe sur cette politique-là. Et dans la décision, elle prend. C'est lui-même pour Ateli exécuter, c'est lui-même pour clan exécuter. Kounia, bien taillé les madame, n'en fait, on vient la caille dans Begiville, pour qui ça, pour venir passer l'ordre. Pour yon vin blâmer, pour yon vin jouer le ras des oreilles, comme quoi que Jovenel Moïse, Sophia Mantelli, même sur l'article, lui dit à bouche, Jovenel Moïse est bien privé. C'est propriété privée, c'est une propriété privée. Donc Jovenel Moïse, yon te wel tant qu'on chose, yon te wel tant qu'on tinet tête green, qui sorti dans la classe paysan, qui ont ti malheur et pied blanche, qui là, qui vin faire ça, yon mettez le pour le faire. Yon mettez là tant qu'on marionnette. Pour le mettre moun yo vle, pour le révoquer moun yo vle, pour l'attaquer moun yo vle. Moi, franchement, m'a dit non ça. Jovenel Moïse, li wè trop tard. Li wè que plan PHTK, clan PHTK, li wè yo piégé le trop tard. Li comprenne plan PHTK trop tard. Que nèg sa yo, c'est l'argent yo vin fè. Ou pral réaliser que 3,8 milliards de dollars, l'argent pétro-caribéen, li pa jam ka passe l'autre jan avec clan PHTK, PHTK. Avec clan Mantelli, parce que qui ça? Mantelli président, ou président des scandales qui a fait avec Kiko Saint-Rémy, qui a soufflé tes ancien ministre de l'agriculture pour qui ça? Pour contrat en Guy, il était bailli. Parce que contrat en Guy en dedans pays, c'est clan Mantelli qui gère, c'est Kiko qui gère. N'est-ce qu'on prend plusieurs licences d'importation? Et dans en Guy, peut-être, haïtien par contre, ça en Guy, nous pas contre qui quantité l'argent en Guy représenté? Nous pas contre qui quantité poids en guy gen balance économique là aux États-Unis en guy moun pa ka pêcher en guy comme ça pour du pral vendre dans l'autre pays alors que pêcheur nous yo y a pas acheté livre en guy nan mais 250 gout 300 gout et puis yo pral voyer dans l'autre pays pour aller faire quantité l'argent pour aller faire masse l'argent alors que en guy là nous même nous t'es ka utiliser pour faire développement la caille nous. Mais nous pas comme bagaille ça, yo pas dit nous bagaille ça. Il a profité de pêcheur nous, il a profité de manque de clairvoyance, il a profité de faiblesse qui gagne en dedans l'état. Il a profité de ignorance malheureusement pour clan PHTK ça, pour plan PHTK gagner pour fin craser pays, appauvrir moun qui gagne ti moyen dans mes yo. Donc et nous même qu'a pour aujourd'hui en là. Quand je fais insécurité, c'est au créer l'instabilité, c'est au créer. Et on m'a tout dit rien là, ça qui peut être que l'icawe, l'ica maintenant tête l'exemple à mulat, l'icawe comme mulat. Dites-toi bien, Jovenel Moïse qui était président démocratiquement élu, mais ça clan PHTK a café, mais ça clan PHTK arrive et fait. Donc ou même dites-toi bien, je dis à vous pour tant qu'on tire marionnette sur mes toits utilisés, ou à détourner budget au profit du club PHTK et pour penser au même moment à l'abri. C'est peuple haïtien qui pour bailler l'examen en réponse. C'est nous même comme haïtien qui pour bailler en réponse. Pas venir comprendre que information ça le New York Times mettait dehors c'est des nouveautés. Pas grand nouveau sous soleil là. Pas grand rien qui nouveau. Moi même songe 7 février 2021, le Dimitri Errant te propose monter sous cheval blanc, l'idée jouer kidnapper, l'idée jouer et on soit 10 ans. Coup d'état que l'opposition t'a orchestré contre Jovenel Moïse, tout simplement c'est pour rétablir confiance Jovenel Moïse, pour rétablir confiance entourage Jovenel Moïse par rapport avec lui-même. Tout doute était là, toute incertitude était là. Et moun qui t'a travaillé de concert avec Jovenel Moïse sous liste non moun non liste notre et narcotrafiquant yo nèg qui impliqué dans trafic d'armes dans le pays. Yo dou nan liste sa te gen Kiko Saint-Rémy, nan liste sa te gen Dimitri Errant la dan li. Donc je di ou pral vin dim que nèg sa yo innocent, yo pa gen rien pou avec Jovenel Moïse. Ou pral vin dim que nèg sa yo Dimitri Errant te gen contrôle yo ki te sous commandement Dimitri Errant, yo pa gen rien pou avec assassinat Jovenel Moïse.
Ou pral vin di m son koïnsidans, se pi ou koïnsidans, si pa gon kout zam ki tire, si pa gon bal ki pa tire pou proteje Jovenel Moïse, se pa ou koïnsidans. Son bagay ki te bien planifié. Son bagay ki te bien planifié, ki ba nou rezultat nou an jodi an, e ki ou d'akol ki ou pa d'akol, gen moun jodi an ka proteje klan Martelier, ka proteje klan PHTK. Parce que yo même, bon dis nous, si nous t'es conscient de pouvoir nous gagner comme haïtien, clan PHTK ça, faut que ça t'a commencé marron, hein? Parce que t'as connu peuple conscient de sa passion, de sa privée, t'as bon vengeance qui t'a fait. Mais nous tellement passifs, nous tellement accepter toute bêtise, nous tellement accepter aux bêtises. Nous c'est exactement réalité ça nous gagne. On président assassiné, un groupe nègre qui a volé. On groupe nèg ka fè trafik droit dans dedans pays, ka fè trafik zam dans dedans pays, ka vann gang zam ki pou tou yo et me kounye ase bravo ou bezwen bat pou yo. Youn nan bagay ki extrêmement important pou konnen. Dossier Savandiane nan. Parce que avant Jovenel Moïse mouri, li te bay Savandiane en zone franche avec éclat à pèdlan. Et tout temps m'a parlé de bagay sa parce que c'est en son zone franche, son dépossession qui illégal qui abusivité retirer tel homme paysan pour ba on l'autre clan oligarque ba ça li questionnable faut nous poser question sur lui mais nèg encore la ressenti au ponta clan Martelier ressenti le bon coup parce que qui ça nèg yo konn fè yo te konn utilisé Port-au-Prince pour yo faire trafic cocaïne yo comme li vin paraît difficile konn ya pour yo qui ça yo fè yo aller nan nord. Non vin paret impossible pou yo kounye, ki sa yo fè, yo lage yo nan Savandiane. Nan Savandiane, nou pral kopran ke moun ka viv nan zon sa yo, yo nan situasyon de mizir. Moun yo nan gran grou, alors ke, a 10 km de Savandiane, goun la, ki plein poisson. Malere yo, malere yo, yo pa ka repêche, parce que yo mette restriction. Se la yo fon pis, pou avion descend ti avion k ap pote cocaïne pou yo ti avion k ap pote zam pou yo c'est là yo fè yo range kozé yo pou avion descend kounya le Jovenel Moïse li prend Savandiane li bay pou konstwi zone et zone franche kounya ki sa krive sin pase on l'ot koudu encore pou clan Martelier on l'ot koudu pou Kiko Saint-Rémy. Donc nèg yo voye pied pired. Donc double raison, triple raison, quadruple raison pour yo assassiner Jovenel Moïse, pour yo finir, pour yo mettre un point sur cause Jovenel Moïse. Et déjà gros paquet nèg qui dans entourage Jovenel Moïse coupé contrat. Gros paquet nèg qui dans entourage Jovenel Moïse retire contrat asfa. Non mais yo. Et projet courant ça Jovenel Moïse t'a pas implanter. La vérité est telle que même clan Martelier yo pas vle. Pour courant atterrir. Et Jovenel Moïse dit même à plusieurs reprises qui choisit fermer gens sous corruption. C'est pas qu'on elle pas connaît corruption, t'es corruption. C'est pas qu'on elle pas connaît gens qui entoure elle qui impliqué dans corruption. C'est pas qu'on elle pas connaît gens qui proche, gens qui parler, qui passer l'ordre, qui demander le service etc. qui ont même participé dans trafic d'armes, qui ont même dans cocaïne en dedans pays. Mais Jovenel Moïse étant donné li wèk le Martelier en puissant, étant donné que geti bagay li té envie ba population haïtienne, nan geti bagay li té vle fè. Finalement li ferme yeux. M'a toujours dit nous ça, Jovenel Moïse li réagit trop tard. Jovenel Moïse li admet que pays a gen problème trop tard. Et tout l'ordre de l'on a du pays a gen 5 problèmes corruption. 5 problèmes ça yo tourné autour de clan Martelier. Yo tourné autour de Kiko Saint-Rémy, autour de Sofia, autour de Michel Joseph Martelier parce que c'est eux même qui influencent, c'est eux même qui a coupé raché en dedans palais national, en dedans la primature, même dans ça qui gen pour avec parlement, yo influent là-dedans. Donc dis-moi bien, Jovenel Moïse, qui ça t'a jamais qu'à réaliser en dedans pays? En rien. Jodi an, sou ta vle fèmen un jour pou ta dit que nèg clan Martelier. Nèg sa yo ki a fait trafic drogue, qui a fait trafic zam en dedans pays, pa gen pouwe avec assassinat Jovenel Moïse, ou mèt konnen ou c'est moun ki pi aveugle dans la République. C'est un fait. Parce que quitter pou te wè.
Son nèg nan opposition ki te gen tan planifié pou assassiner Jovenel Moïse, mantèl li tap gen tan dévié le depi an lè. Yo tap gen tan gade comment nèg yo monte en canule. Gade comment yo font fab 7 février 2021 pou yo dou Jovenel Moïse tap pral victime coup d'état lorsque c'est confiance yo te besoin replacer nan Jovenel Moïse. Donc dis bien. Yo konn tout stratégie, yo konn tout manœuvre, yo konn faiblesse Jovenel Moïse, yo utilisé l pou yo atteindre. Yo utilisé l pou yo atteindre. Tout contrat important, tout contrat déportation, si c'est pas qui concerne Rémy pour ba approbation, pour ba feu vert li, la vinn pomper sous Jovenel Moïse dans palais national, la vinn pomper sous ministre qui passe, qui prend décision parce que nèg sa yo, rien pas ka fait sans yo. Contrat pas ka signer sans yo. Yo pas ka mettre ministre sans yo, yo pas ka révoquer ministre sans yo parce que c'est job yo ka fait. Yo prend contrôle la et contrôle la douane, yo prend contrôle port, yo prend contrôle aéroport parce que c'est affaire yo vinn régler. Donc que l'on veut ou non, le clan Martelly jodi a yo gen compte pour yo rendre. Est-ce que juge instruction Gary Aurélie a bien assez courage, a bien assez détermination, a bien assez bravoure pour lancer une invitation voye bail Michel Joseph Martelly, pour lancer une invitation voye bail Sophia Martelly, pour lancer une invitation voye bail Kiko Seremi Martelly. Pour lancer invitation by tout nèg sa yo qui entoure le clan et Maya Paul, tout nèg sa yo qui proche Martelly, pour lancer invitation by yo parce qu'on pas carré les une pour parler les l'autre, parce que m'a dit nous encore clan Martelly elle marche avec loyauté et yo trouvé Jovenel Moïse son traitlité, yo trouvé Jovenel Moïse son moun qui déloyalité, yo trouvé Jovenel Moïse son moun qui pas respecté mol, qui pas respecté parole li. Il aurait fallu l'éliminer. C'est dans sens ça, c'est dans contexte ça. Jodi an nèg yo chita yo planifié assassinat Jovenel Moïse. Donc la République ou gen mot pour pou di oui. Ou gen mot pour di pour empêcher que PHTK retourne sous pouvoir ça. Pour empêcher PHTK retourner dans Figimoun parce que Jean Noël là déjà Ariel Henry a préparé terrain pour yo. Mais est-ce que dossier assassinat Jovenel Moïse, li pral fret, yo pral rafredil, pour yo même pour yo retourner encore. Parce que depuis la justice pas fait travail, li pour la justice triompher, pour la justice enquêter, pour juge instruction rassembler un dis sous nèg sa yo, pour montrer visiblement que nèg sa yo pas gen rien, ah ouais avec stabilité pas gagné hein, ah ouais avec sécurité pays. C'est eux même qui a crasé, c'est eux même qui a brisé, c'est eux même qui participer, c'est eux même qui fait complot pour tout le Jovenel Moïse, me garantis nous. Jean nous songe matérialité dit nous PHTK là pour 50 ans, mais reine PHTK ça son royauté là pour tourner en dedans pays. Parce que nous pas qu'à admettre ça. Nous pas qu'à admettre un petit groupe nèg en haut décider pour eux même pour accaparer toute richesse son pays. Un petit groupe nèg en haut pour eux même pour décider pour que bon on nation population dans gorge comme ça dans seul intérêt yo li pas possible mes amis li pas possible en tout cas messieurs m'a dit nous ça nous méchants pile parce que dès que clan PHTK ça fait l'argent dès que clan Martelly a fait l'argent dedans pays Martelly passé toute période ça sous pouvoir comme président dès zanmi la riel proche il mettait tout en dedans pour voir la fait l'argent. Et puis qu'on y a, l'arrivé sous Jovenel Moïse, au moins, ou exemple à peuple, au moins nous, la population haïtienne, nous mettons confiance. Nous créons premièrement une situation côté que, en bas, nous fournissons une opposition moyen pour déstabiliser Jovenel Moïse. Parce que l'objectif, nous, Jovenel Moïse, c'est des projets qui ont abouti. Des projets côté que le peuple a été quoi là-dedans. Côté que yo te ka vle accompagner. En bas, n'ap trahi Jovenel Moïse, nous créer instabilité, nous créer doute, nous créer division dans mitan population. Alors que l'argent nan men nou, pouvoir nan men nou, mais nous pas jamais rassasié, nous méchants. Nous méchants pile monsieur. Jodi an la nous te ka quitter tigresse ça pour peuple. Nous te ka quitter ti crasse, ti dernier miette, ti dernier mar pour peuple. Et tout le Jovenel Moïse te qu'on a parlé tigresse ça pour peuple. Là vraiment, c'est pas une question de opposition politique. C'était plus clan Martelly qui était visé. C'était plus clan PHTK qui était visé. Nous avons bien longtemps fait l'argent mal sur le peuple. Nous avons bien longtemps volé l'argent développement pays. Mais ça pas suffit nous. Ça pas suffit nous pour nous détruire tout ton projet. Pour nous détruire tout ton vision. Pour nous détruire tout ton bataille.
pour au moins arriver à mettre courant dans le pays, pour au moins arriver à mettre stabilité dans le pays, pour au moins arriver à créer un minimum d'emplois stables pour la population haïtienne. Jodian là, le peuple faut me dire très clairement. Le clan PHTK n'est pas pour développement, n'est pas pour progrès, n'est pas pour sortir dans la boue, dans la crasse ou vivre. Que vous d'accord, que vous pas d'accord, ou qu'à bouquer Rémé, ancien président Michel Martelly comme chanteur, Rémé comme chanteur. Mais comme politicien, comme ancien président, non, c'est la racaille politique. Pas de doute sur ça, n'est-ce pas, c'est dernier couche, c'est dernier classe, c'est dernier clan politique qui passe en dedans pays, qui quitte un gros mer dans la population. Et quoi, pas quelqu'un m'a dit nous ça? Qui te qu'on a bat bravo, qui te qu'on a fait gros speech, gros discours pour clan Martelly, qui te qu'on a bat bravo pour clan Martelly, tout le yote dou, Jovenel li soti nan PHTK, qu'on a bat bravo pour Jovenel par rapport avec clan Martelly. C'est le yote assassiné Jovenel Moïse, yo fini par réaliser que, nèg sa yo qui te re le tête yo PHTK, qui te re le tête yo bandi légal, lan, son paquet vrai bandi légal qui t'a créé problème en dedans pays. Et dernier problème en date, c'est assassinat Jovenel Moïse. Ces gens nèg yo chita, yo comploté pour assassiner Jovenel Moïse. En tout cas, voler a toujours été voler, assassin a toujours été assassin, gang a toujours été gang. Il suffit que nous-mêmes nous prenions responsabilité nous. Nous prenons responsabilité nous comme haïtiens pour nous retirer moun sa yo nan figi nous et pour nous encourager la justice fait travail li pour mari nèg sa yo. Parce que sinon on a saisi ouais. 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, message nèg sa yo fait passer à Jovenel Moïse. C'est un message clair. Que ou même qui nan diaspora, ou pas ka vine planter rien en Haïti, ou pas ka vine prendre aucune décision qui gen pour avec développement, avec progrès pour Haïti, si nèg PHTK sa yo, si corrompu sa yo pa bon feu vert, si corrompu sa yo pa bon laisser passer, et me garanti nous, si ce projet de développement nan vin avec en Haïti pour pays, nèg sa yo pa jamais ba nou passer. Nèg sa yo pa jamais ba nou feu vert, d'autant nous accepter, nous tolérer yo là toujours. Non. Et moun kap bay la vérité, m'konnen nan menase yo. Moun kap bay la vérité sou nou, sou sa nan prégle an dedan peyi ya. M'konnen se des cibles, des potentiels cibles a abat yo. Mais bam di non. Peuple an pa karit kon sa. Peyi an pa karit kon sa. On ti group moun. Oui, Jovenel Moïse te kon di, on ti group, on ti ponye neg. Pa ka deside pren on peyi an otage kon sa. Jodi an la, on élargit clan oligarque corrompu. Oligarque corrompu, c'est pas seulement question de Reginald Boulos. C'est pas seulement question de Chérif Abdallah, c'est pas seulement question de Dimitri Vob. Derrière tout nèg sa yo gen le clan, le plan PHTK pour appauvrir, pour finir avec pays, gen. On nous prend ça en considération pour continuer bataille là. Non, pays pas carré comme ça. C'est vrai, c'est triste. Réalité, on nous connaît, on te dit, nous, gauche, pas bon santé, pas bon voix, pas bon, mais, faut que travail, on te vienne fait. C'est sûr que me connaît après travail, ça, pral gen paquet appel, pral gen paquet et menace qui pral tomber, pral gen paquet mauvais paroles qui pral parler. Mais bon, dis nous, si Jovenel Moïse, nous assassiner, nous planifier assassiner, nous planifier mettre ton pays à genoux, mettre ton pays dans instabilité comme ça. C'est pas moi même simple citoyen, c'est pas moi même simple individu. Nous t'as pas prendre le temps pour nous planifier. Planification, c'est pas ça qui est important pour nous. L'important je dis c'est comment on a fait pour empêcher la vérité après la rue. Mais vérité après la rue. Pas bon monde qui a empêché vérité en bas, je veux dire. Et malheureusement, non même l'idée côté que n'a pas mis les armes de deux pays, non même l'idée côté que n'a pas créé stabilité, n'a pas créé violence de deux pays. De regretter de mémoire, jeune médecin ça, Mackenzie Guerrier, nous assassinons. On l'autre assassinat dans l'anglice PHTK, dans l'anglice stabilité. Politique dans l'anglais insécurité Ariel Henry a bay bourade a bay jarret en dedans pays. Mackenzie Guerrier nous assassiné encore.
une tentative de kidnapping ratée. Nous avons assassiné les jeunes médecins. Nous avons assassiné l'espoir au pays. Nous avons assassiné l'espoir aux jeunes. Combien de gens ont planifié l'assassinat? Après Jovenel Moïse, combien haïtiens encore nous prenons le chita pour nous planifier l'assassinat? Est-ce que nous pensons que nous avons assassiné toute la population? Est-ce que nous pensons aujourd'hui décider d'assassiner Jovenel Moïse ou bien d'assassiner chaque grand monde qui a parlé de projet, de plan PHTK pour finir avec le pays, pour finir avec la population haïtienne? Nous pensons que nous avons assassiné 11 millions de monde? Donc, comme moi, 11 millions haïtiens, nous pas actifs. Nous pas réactifs, mais nous pensons que nous avons assassiné des milliers de jeunes qui ont même compris le plan, qui ont même compris la stratégie. Non. Nous avons assassiné 10, 20, 100. Mais nous pouvons pas assassiner le rêve, nous pouvons pas assassiner la vérité. Pas dire, on l'autre a dit. On l'autre pas dire, dit l'autre a dit. Parce que vérité, elle ne peut pas cacher. Vérité, nous comprenons. Et me garantis nous ça. Bataille pour changer Haïti. Bataille pour nous retirer le clan PHTK dans la figure du monde. Pour toute vérité éclater au grand jour. Tout ça, PHTK a pris le de pays. La prend la rue. Son bataille qui commence, son bataille qui pas camper. Son bataille qui pas fini. Merci tout le monde. Rendez-vous en l'icassé pour demain. Sur même chaîne, dans la même lieu. Dernière micro-présentation, c'est toujours même Yannick, la même voix. On n'est pas changé. Merci tout le monde. À très bientôt. Hey, aucun problème, bon? Bagay la piti. Rete la pale. Zens of Moringa pour tes solutions. 15 outils, c'est pour mal pour l'en même. Ça pour le permettre ou rallonger bien. Bal longueur vle, et puis sur vle, ou moun vle. Dans 90 jours seulement, solution non mais pardon yam. Et ou même qu'a fait revenir. Ah, madame n'a pas vlo nan kay la. Kout ki lot fait pou pou. Ou fait bek ate? Eh bien, pas inquiète, solution là. Gebon, yon traitement 100% naturel, pendant 90 jours, tout bek ate fini, zafo regle nan bon ti mami. Tout garçon ka utilise entre 15 à 75 ans. Ou pa besoin peur. Produit 100% naturel, yo testé et approuvé. Relé nan 514-886-9776 ou bien nan 37-55-46-06. Ou bien tout, passe sur website lan www.zestofmoringa.com. Suspend plein, Zest of Moringa, c'est solution. Toujours aimé dire, émission mon éditorial, c'est pas seulement information et formation. M'gen mission pour toujours chercher pour te bay public là tout ça qui bon. Et bien, je dis là, m'a présenté les produits Rosa. Rosa, c'est une entreprise locale 100% haïtien qui a évolué, nan mette sous marché à bon gens produits de qualité. Ou ap jwenn spaghetti dans produit Rosa. Ou ap jwen du riz jaune dans produit Rosa, ou ap jwen macaroni dans produit Rosa, ou ap jwen savon lessive dans produit Rosa. Depout de parler de Rosa, ou gen tan wè produit de qualité, ou gen tan wè bon prix, ou gen tan wè bon produit. Eh bien, si m choisi vin présente au produit, m choisi parle de li, c'est parce que li bon. Pendant n'ap kore production locale là, avec Rosa, n'a tout profité pour ses dos. Oligarque pour ses dos, Nexayo qui a accaparé et marché économique là depuis bien longtemps, c'est celle même qui a fait business, c'est celle même qui est entrepreneur, et bien avec produit Rosa, nous vinn bayon riposte. Donc ou même qui à l'étranger qui est intéressé pour bayon zanmi, on famille, on business en Haïti, ou ka contacter entreprise Rosa nan 28 13 01 40, ou bien ka toujours rele nan 36 99 94 02. Ou ap joine du riz, ou ap joine spaghetti, ou ap joine macaroni, ou ap joine savon lessive. Donc là, ou gen 4 ingrédients on moun ka vann, ka commence son business avec, donc pas hésiter. Moi même fais confiance, manger du riz, me tester du riz. Li pa bwè d'lo, li pa bwè l'huile, donc bon bagay.
Donc, ou gen intérêt pour contacter, ou gen intérêt pour tester produit yo. Et très bientôt, là, m'bral commence à venir avec produit yo za yo. M'bral vin pote kado pou, m'bral vin fò testé yo, m'bral vin fò goûter yo, tout pas inquiété nous. Donc là, pas hésiter à contacter entreprise Rosa et pour plus d'informations. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remè pays ou, et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial, on dit tout. Émission Mon Éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel Paola pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bral la balle et pays, nous bral le débat, c'est toujours même Yannick l'en même voix. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.